je vais te laisser sortir tous les soirs comme ben, ça. Ben, Ginette, c'est une fille bien, bien élevée. Elle est très, très bien, Ginette. Bon, très, très pourquoi tu ne veux pas là-bas? Parfait. Pourquoi tu veux pas là-bas? Je pourrais te l'expliquer là, si on avait le temps. Bon, ben explique-moi-le. C'est trop long. Explique. Ben comment ça, c'est trop long? De toute façon, je suis pas pressée pour aller à l'école. T'es pas... Ben je trouve que t'es pressée, moi. Je pourrais-tu avoir un café avec moi, là? Bon, qu'est-ce qui est tombé, là? Je sais pas. Ben ramasse-le. Il y a de l'eau chaude, là. Chaude. Viens, je vais te faire un matin, je vais me faire. Maman, je te pose encore la question. Pourquoi tu veux pas que j'aille chez Ginette? Martine, ce soir, quand tu reviendras, je vais te l'expliquer pourquoi. Hein? On a quand je vais revenir, ben, c'est pas si simple que ça. Si je commence à te donner une raison, tu vas avoir à apporter un autre. Je m'appelle Jean Lapointe et dans le film, je suis Clermont Boudreau. Je suis né sur une ferme. Marie aussi. J'ai bien l'impression que notre plus grosse erreur, ça a été de nous emmener en ville. Là, je suis dans le textile. Puis notre espoir, c'est notre syndicat. Es-tu pratiquant? Oui. Est-ce que tu fais de la politique? De façon indirecte. Je m'occupe surtout de syndicats. Bon, ça va faire. D'abord, ramasse ton poids. Qu'est-ce que ça fait à terre, ça? Ramasse ça, habille-toi, puis on part à l'école, là, maintenant. Oui, on part à l'école. Bonne journée, les gars. Des affaires? Bonjour. Bonjour, Isabelle. Pas chaud, t'auras pas choix avec ça. Je vais y aller pareil, Gégelette. Bonjour, Martine. Martine, je veux que tu reviennes ici ce soir. Je m'appelle Hélène Loisel. Dans le film, je m'appelle Marie Boudreau. Mon mari, c'est Clermont. Pour le moment, là, je reste à la maison. Je suis pas mal occupée. Mais je pense qu'un peu plus tard, quand les petites filles seront grandes, je vais peut-être... travailler, faire quelque chose en dehors de la maison. De toute façon, avec ce qui se passe à ce temps-là, je vais m'en avoir essayé. Rien que j'avais ici ce soir. Bonjour, Matt. Bonjour. T'aurais pu m'aider, peut-être? Peut-être bien que je t'aurais nuit. Bon, ben, je m'en vais pour 10 minutes, là. Encore? Comment encore? Quoi c'est faire? J'ai un grillage à constater. Sacrément de syndicat.
Moi, je m'appelle Louise Forestier. Et dans ce film, je joue le rôle de Claudette Dussault. Je suis assistante sociale depuis 4 ans. Je travaille dans le quartier de Saint-Henri. J'aime beaucoup ce que je fais. Je peux vous dire que l'ouvrage manque pas. Je suis sûre que c'est pas rien qu'à Saint-Henri que ça manque pas non plus. Je me suis toujours battue, quelquefois avec agressivité, d'autres fois avec ruse, contre l'injustice sociale. J'aime mon métier, puis j'y crois. Je suis partie juste 5 minutes pour aller au magasin, puis ils ont tout sorti dans la rue. Ils ont sorti le poêle, le frigidaire, le divan. On va leur en faire un ménage, je peux rien. Ils sortent tout. Laissez faire. Non, non, inquiétez-vous pas. Rentrez-moi ça tout de suite, là. Monsieur? Martineau. Monsieur Martineau, c'est moi qui vous ai appelé hier au téléphone. Il me semble qu'on avait tout arrangé ça. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Il me semble qu'on avait arrangé ça avec le service social. J'ai dit que j'allais arranger toute l'affaire. Pas les chaises, pas les chaises. Vous êtes combien chez vous? 4. 4 chaises en dedans, ça va. Ça prendra que c'est pas la première fois que j'ai affaire à des assistantes sociales. C'est un bon monde comme toi et puis moi. Ils me donnent pas mon argent, ça, moi. Des gars comme lui, là, ça m'écoeure. Qu'est-ce que t'as dit, toi, là? Ça m'écoeure! Clermont! Monsieur. Écoute, là, je veux t'avertir. C'est la dernière fois que tu t'absentes de ton travail. Sinon, je te suspends pour 2 jours. Ça finit là. Non, non, non. Écoutez, vous savez très bien que c'est marqué dans la convention que tout délégué a le droit de s'absenter pour qu'on s'atteigne grief. Grief, pas grief, tu vas rester sa job, sinon je te suspends. Ouais. On va partir le permanent. Si tu fais ça, Clermont, je te suspends indéfiniment. Je te fais sortir par la sécurité. Pas obligé d'être caché pour boire à ton âge, Léo. Salut, Clermont. J'ai 2 bons billets pour la game de soir. Tu viendrais pas avec moi? Ah non. Je retourne sur le taxi. Hein? Je retourne sur le taxi. Suspendu. Yes, Seigneur. Tu ne l'avais pas assez dit, non? Toujours pour ton maudit syndicat. Moi, je calcule, Clermont, que tu devrais accrocher tes patins. C'est trop animé pour les autres. Un gars comme toi qui se rache une vie pour faire vivre sa famille. Oh, en tout cas. Hey, Pidon, as-tu entendu parler de ça, toi, que paraîtrait que l'armée est en ville? Oh, oui. Il se figure qu'on va partir en paix. Clermont? Ouais. Regarde, là, si t'as besoin de crédit, là, t'en fais pas. Merci bien. Ça faisait exprès parce qu'on voulait justement prendre une petite semaine de vacances puis aller chez ses vieux parents dans le lac Saint-Jean. Son père avait passé 70, hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Et on venait justement de recevoir une lettre de Mme Boudreau. Ça fait 5 grosses années que vous n'êtes pas descendu. Ça fait qu'ils lui font dire à Clermont, et moi aussi je lui fais dire, que son père aurait besoin d'une swing pour traverser l'hiver. Je vous le dis à vous deux en secret, il va pas très bien. C'est souligné, ça, dans le... Il va pas très bien. Ouais, ben, tu sais pas que c'est qui, papa? Son mal, le travail. Depuis qu'on est mariés, qu'il marmotte,
faut se donner un gros tourment, se lever de bonne heure et tiens, dis ça jusqu'au soir. Eh bien, il ne marmotte plus rien. Pour dire vrai, c'est moi qui me donne le tourment. J'aurai besoin d'une swing, moi aussi, pour traverser l'hiver. Je vous embrasse tous les deux, je vous espère, Mathilda. Roche. Ça commence, moi, si tu te pognes à garrocher des cailloux, tu vas écouter. Mais bon, pied de cul, moi, elle va tomber. Hein? Non, dépense. Prends la boîte qui est commencée, hein. Devant. Hein? Ah, papa, avez-vous froid? Ça fait que là, il m'a dit ça m'a coûté assez cher d'apprendre à boire. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Hey, c'est pas drôle de venir au monde rien qu'une fois et de venir au monde fou de même. Vous allez m'arrêter ça. Vous allez me dire ce que vous voulez. À part de ça, avez-vous un mandat de perquisition? J'ai besoin de mandat. Une loi spéciale. La loi d'urgence, elle vient d'être votée. Là, vous faites fond du corridor. Vous avez vu? Faites dans les armoires. Est-ce qu'il était devenu fou, quoi? Je sais pas. Il n'avait rien à se reprocher de nous. Il entrait chez nous comme des bandits. Et j'étais pas mal émotionnée. La loi des mesures de guerre, qui vient d'être proclamée, permet à un agent de la paix ou à un membre des forces armées d'arrêter une personne sans mandat lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'elle est membre de l'association illégale ou se déclare membre de cette association. Un agent de la paix peut également, sans mandat, perquisitionner dans tout local lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'un membre de l'association illégale s'y trouve ou qu'une personne y est détenue par cette association. C'était là un bulletin spécial d'information émanant de notre salle des nouvelles.
Moi, mon nom, c'est Claude Gauthier. Et dans le film, je suis Richard Lavoie. Chômeur. J'ai deux enfants. Je m'occupe d'eux autres à la maison. Puis j'aime ça. Richard Lavoie est là? Ben non, c'est à côté. Côté. 40-58? Police, ouvrez! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, monsieur. Hein? Ta femme? Bon, moi, à travail, ma femme. C'est là? Elle est waitress de nuit. Oups! Hey, ça, c'est autre chose. Je peux-tu voir vos papiers de perquisition? On n'a pas. Pas besoin. J'aurais-tu au moins le droit de savoir en quel honneur? Vous n'avez plus de droit. Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où l'homme perd ses droits. La guerre. La guerre? Allez, en quelle guerre? Il faut qu'on suit les ordres. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, bébé? Hein? Si vous avez des ordres, vous devriez peut-être les donner à la grosserie. La dynamite, je la tiens pas dans le frigidaire. Mon pote, on l'a fumé la semaine dernière. Moi, je suis Guy Provost. Et à partir de maintenant, je deviens le docteur Jean-Marie Beauchemin. J'ai fondé une clinique de quartier pour offrir des soins aux gens à faible revenu. Et puis, je me suis présenté déjà comme candidat socialiste. J'ai été battu, évidemment. On n'avait plus aucun droit. Par contre, eux autres, ils avaient tout. Y compris celui de faire avec nous autres ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'on était pour eux autres? Des criminels, des moins que rien. Alors, j'ai même été obligé de m'habiller devant eux autres. Tu veux ce manteau-là? Sérieux? Les menottes. Mais vous pourriez au moins y mettre en avant. Bon ben, téléphone à la clinique. On va parler à Demers. Ok. Dis-y, explique-y. Il n'y a pas de balance de faire là. Je vais trouver un avocat. Appelle Jacques. Okay. Si Demers n'est pas là, demande garde parentaux. Ok.
vous l'emmener. Ils vont vous téléphoner. Mais ça vous pense, hein? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été arrêté? Je ne l'ai jamais su. Ça paraissait peut-être pas, mais j'avais un frisson du maudit. Puis à la porte de ça, j'avais un lacet de brisé. Enfin, ça, c'est pas important. Ça fait que là... Qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants? Comment ça? Ben, on t'emmène avec nous autres. Qui tu veux appeler, là? Ma femme. Tu veux dire de s'en venir? Ouais. OK, là, c'est pas. Sébastien, occupe-toi de ton petit frère, OK? Donne-lui des céréales. Il veut pas. Ben oui. Il a pris. Non? Ginette, s'il vous plaît. OK. La joie, je suis pas pressé. Capitaine! Ils veulent vous dire un mot en bas. Capitaine! Oui? La fille a demandé si elle peut aller se coucher. Bon, elle a dit de s'habiller, on l'emmène. OK. Ginette! Ouais, c'est à cause que la police est ici. Je sais pas. Oui, oui, il est levé. Bon, écoute, dis-y qu'il est malade, OK? OK. On va t'attendre qu'elle arrive? Combien de temps que ça va prendre? 10 minutes. Bon, OK. Bon, OK, on va t'attendre. Non, non, ben non. Regarde, OK, on en parlera. Bon, on va y avec toi. On peut pas laisser les enfants tout seuls. Je lui ai dit qu'on attendrait ma femme. On va l'attendre. Puis tu vois bien qu'on est des bons gardes. Ça. Enlève-moi ça. Ah, maman. J'ai pas besoin de ça, Louise. Voyons.
soir? Non. On avait peur, évidemment. C'était toute part en dedans. Parce que j'essayais de pas pleurer devant mes filles, je voulais pas que ça paraisse. C'est sûr que t'as pas fini tes devoirs hier soir. Mais froid du matin aussi, on tremble beaucoup plus que la peur justifie. Jusque-là, j'étais pas si sûre que c'était des policiers. Je me demandais, est-ce qu'ils sont de la police? Mais il y en avait un, là, que je regardais. Puis il avait pas l'air d'un bandit. Puis je peux pas dire qu'il avait tellement l'air d'une police non plus. Comme ça, tu veux pas me dire où c'est qui est ton mari? Je vous l'ai dit, il travaille, ça se peut, ça? OK. Je recommande toi. Où ça? Où ça? En prison. Monsieur, je peux pas vous le dire où est-ce qu'il est, je le sais pas, je peux pas vous le dire. Où c'est qu'il travaille? Mais je vous l'ai dit, il fait du taxi! Ah ouais, Abby. Va t'habiller. Abby, on l'amène. Le jeune policier, lui, il disait pas un mot. Il a rien fait. Il restait avec ses deux mains en arrière du dos. Il parlait pas. Mais dans son air, là, on voyait qu'il trouvait ça écœurant. Peut-être qu'il était pas fier d'être policier, lui. C'est allongé. Richard, qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps-là, les deux plus jeunes pleuraient tout le temps. Monique voulait me consoler parce qu'elle savait que j'allais en prison. Elle pouvait pas trouver les mots, fait qu'elle disait « Maman, je t'aime, maman, je t'aime ». Tout ce qu'elle pouvait trouver à dire. Elle était collée sur moi. Pour vous laisser toute seule comme ça. On va appeler Mme Thibault. Non, non, le téléphone. Comment ça, pour le téléphone? Je peux pas les laisser toute seule. Louise. Louise, es-tu allée chercher ma petite boue? Allez-y dans, avec. Juste à voir les enfants pleurer, moi, je commençais à pleurer. Puis j'essayais de garder mon sang-froid, parce que c'est pas bon de pleurer devant les enfants. Hein. Martine? Tu n'oublierais pas de vous faire des lunchs, hein? Tu allais à l'école, hein? Bon. Es-tu prête, là? On va mettre le manteau. De nettoyer ses planchers, de donner à manger à ses enfants trois fois par jour. Bon, tranquille, vous. Ça doit être un gros péché contre le gouvernement, ça. Des gros grands garçons comme vous autres, vous attaquez une petite femme de même. Achèves-tu, là? Vous avez pas honte? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'embarque, toi aussi? Bon, je voudrais bien. Essayez donc, ouais!
sûreté. Hey, non, c'est pas lui qui m'a arrêté, moi. C'est Binette qui m'a arrêté. Ah, ça n'a pas d'importance. C'est Binette qui m'a arrêté. Les quatre là, les trois qui sont là, puis elle, la moindre. La voix, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici? Un nouveau groupe de musiciens. Mes trois batteurs. Ils sont toutes mêlées, ils savent pas ce que c'est qui arrête le sang-là, ils sont toutes mêlées. Peux-tu pouvoir la chercher? Le papa va essayer d'arranger ça, là. Ouais, mais man, je le dis à l'école pareil. Et moi, j'ai pas plus envie d'y aller, moi non plus. Qu'est-ce que maman a dit? Encore une fois, d'y aller. Bon. Tu vas oublier ça, là. Faites des grandes fêtes. Je vais rester avec toi. Mon papa, il aimerait ça, mais maman a dit d'aller à l'école, puis vas-y, là. Hein? Louise, c'est toi qui vas prendre la place de maman, là. Pas grande fille. J'étais pas mal énervé. Mais je dirais que j'étais bien énervé. Devant mes filles, je faisais le père, mais je savais bien que t'as pas décerné. J'étais au courant, j'avais tout poigné dans mon radio dans le taxi. De toute façon, je savais que ça pourrait être arrêté. Le plus tough, je pense bien, là-dedans, c'est de savoir ma femme en prison. Je pense à Marie, je pense à elle en prison, arrêtée, puis... Rien que le fait de savoir que je pouvais rien faire pour elle, ça, c'était vrai. La consigne, c'est la consigne du silence. Tu sais pas ce que tu fais là, tu sais pas pour combien de temps. Tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Il fallait bien qu'on marche à l'estime. On se disait qu'il n'y avait aucune charge contre nous autres. On était sûr qu'ils nous relâcheraient en premier.
Pensez-vous qu'on en a pour longtemps? Le nom de votre épouse? Claire. Son adresse? 4244 Marlowe. Ah, mais là, t'as lui, là. Son numéro de téléphone? 737-9687. OK, M. Poirier, il est prêt à boire sa douche, lui. Oh non, à lui, je crois. Oh non. Richard, la voix. Roger Aston. La ceinture aussi. Votre adresse? 4056 rue Saint-Christophe. Votre âge? 34 ans. La date de naissance? 31 janvier 1939. Ok, je vais voir ça, là. Pour lui, c'est bon. On m'en aide. Au lieu de naissance? Les cartes et café. Montréal. Marié, célibataire? Marié. T'as pas de cicatrice? Pas de cicatrice, des tatouages? Oui, j'ai un tatouage. Ouais, on va voir ça, mais il passe de bord. T'es déjà ramené à la prison aussi? Non. Saint-Pierre 830, ici. OK. Correct. Une occupation? Ouais, le bottine aussi. Ah, t'es pas. Votre occupation, c'est quoi? Chauveur. Ça fait quelle année vous avez été école? 5 et 8, 140. La flamme. OK, la flamme. 6e année. Les yeux et les couleurs. Les yeux et les couleurs. Brun. Brun. La prophétie, s'il vous plaît. Vous avez Hamas fait une maladie vénérienne, vous avez été Hamas soigné pour ça, non? Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai trois. Les noms, s'il vous plaît? Louise. Martin. Yala? Bon, je me donne votre nom. Avez-vous déjà été arrêté? Merci, c'est fini. C'est tout? Ouais. Est-ce qu'on a encore pour longtemps? Je ne sais pas. J'arrive, monsieur. Tu finis, toi? Ah, reste-tu? Ouais. Oh, voilà, vous m'aidez en gris. Moi, comme les autres, je m'étais dit, ça y est, on va être libérés. Je trouve que c'était pas nécessaire de faire ça. Oh, quand je me suis vue rassis dans la camionnette, là. Et moi, j'aurais bien voulu pas brailler, pas laisser voir aux autres plus jeunes que je braillais. Mais là, moi, j'étais plus capable. J'avais pu me retenir jusque-là, mais là, je pouvais plus, ça renversait. Trois jours, il n'y a pas de hibernie, il n'y avait pas de tir.
si t'en vas avec le char. Qu'est-ce qui va m'arriver, que je me disais? Qu'est-ce qui va arriver des enfants? C'est bien dur quand tu sais que tu t'en vas en prison. Je t'ai nerveux en vain. J'étais pas pire, au fond, parce que j'étais capable de garder ça pour moi, mais j'étais nerveux. Parce que j'étais nerveux. Je sais pas si t'as déjà vu ça, toi. Un lièvre qui est pogné. Il frissonne en maudit. Ben, j'ai frissonné, mon vieux. Enfin. Mais c'était maudit frisson-là, là. Le travail dans le cœur. Saint-Hubert. Une passion. Ouais, l'usine de tissage. Qu'est-ce que tu fais, l'usine de tissage? Fais du tissage, calice. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es menuisier, t'as une machine, qu'est-ce que tu fais? Fais du tissage. Tisserand. T'es plus fort qu'à moi, pourquoi tu me le demandes? Nationalité? Canadien-français. Ça se voit. Je peux rajouter québécois si ça te tente. T'as pas ton petit frère. T'as pas de baveuse. Jusque-là, moi, j'avais espérance qu'ils allaient nous relâcher. Je me disais, ils vont finir par se rendre compte que c'est une erreur. Mais c'est quand ils nous ont donné nos vêtements de prisonniers. Ah ben là, calvaire. Et quand on s'est retrouvé avec la chemise brune, les culottes grises, les bottines, tu te ressembles plus. T'as plus rien de ce qui t'appartient, tu comprends? C'est correct, ça. C'est là que tu te rends compte que le linge que tu portes, c'est important. T'es vraiment toi, ça. Puis les draps, en plus. Là, on se dit, c'est pour la nuit, puis peut-être davantage. OK. T'as pu durer un an, deux ans. Yeah. Avec la justice qu'on a, on sait jamais. Suivant. Là, tu te sens enfermé en prison, correct. Et tout ça pour rien. La première nouvelle que t'as, c'est que tu te ramasses flambant nu. Puis tu passes dans une salle où il y a une dizaine de gardes qui te dévisagent les pieds à la tête en passant par le milieu. Bon, tu sais, c'est pas la question de la pudeur qui te dérange. C'est une question encore d'humiliation. Tu t'aperçois qu'ils font encore ça pour te ravaler. Ben, moi, j'ai pas besoin de personne pour m'être tenu quand je veux. Mais quand je veux pas, depuis devant ces gars-là.
C'est pas bon, il me semble qu'il y a une certaine pudeur qu'il faut respecter. Ouais. Attends, Isette, là. Mingo. Soyez William. Là, c'était vrai. Là, on était en prison. En tout cas, l'incarcération d'une mère de famille, comme ma femme qui n'a jamais rien fait que d'autre que de torcher les enfants. La veuve essaie de tenir la maison. Il n'a jamais rien dit un mot de politique, sinon d'être d'accord avec son mari. C'est dur à prendre. Une des choses qui m'a peut-être le plus impressionné, là, c'est la couleur des murs. On dirait que c'est fait pour te rendre fou. OK, go, allez, d'ailleurs. Alors, c'est une prison moderne, propre, froide. Le nombre de portes pizza qui se referment sur toi avec du bruit. Tu peux pas comprendre qu'on enferme ton innocence comme ça. Pour ça que la couleur te révolte. Parce qu'au fond, c'est une couleur comme une autre. Les modèles, ici, vous avez laissé vos effets personnels, vos bagues, vos montres, vos colliers, vos sacs à main. Sera rendu plus tard. Merci. Mademoiselle Claudette Dussault, s'il vous plaît. Savez-vous que vous n'avez pas le droit de me couper la barbe si je veux pas? C'est une amputation. Ah si, ah ouais. Ouais, ben, ça a l'air qu'on peut pas s'y opposer.
Non, j'ai pas eu peur à ce moment-là. Puis j'ai l'impression que les autres non plus ont pas eu peur. La peur, c'est venu après. Là, tu peux pas vraiment ressentir grand-chose parce que t'es tellement bousculé. Je veux dire, ils t'amènent d'une pièce à l'autre. Ils te disent pas, on t'amène à l'ascenseur. Tu y vas. Puis là, t'attends. Tu peux attendre 10 minutes. Une fois, par exemple, que je suis entré dans la cellule, là, ça a tombé. Là, j'avais un sentiment de rage. Ça n'avait pas de bon sens, c'était pas correct. Il aurait fallu qu'ils me disent pourquoi j'étais là. Le fait de me renfermer dans ce maudit corps-là, puis pas me dire pourquoi, là, je trouvais que ça dépassait les bornes du bon sens. Ce qu'il y a de pire, c'est une espèce de paralysie qui te poigne, là. C'est pas assez long, là. C'est pas assez large. T'es tout le temps enfermé, t'es tout le temps pris. On n'est pas sorti de nos cellules. Saint jours. On était 5 jours francs sans sortir, sans se laver, sans se raser. La seule chose qu'on pouvait faire de temps en temps, là, c'est se tremper les mains dans le bol puis se laver en face un peu, se rafraîchir. Puis 3 jours de fil au griot. Du griot. En carton, du griot. Frais, pas de lait, pas de sucre. T'as pas de cuillère? Hey! Oh. De la pâte à cochon, puis encore, mais je pense que les cochons n'auraient pas mangé.
midi, un verre de griot. Le soir, un verre de griot. Oh, petit griot. Ben, moi, j'ai pas touché jusqu'au mardi. C'est rien que le mardi qu'ils ont commencé à nous donner à manger. Ouais, l'endroit. Je l'ai pogné pour tricoter, moi qui ai toujours haï ça. Moi, j'ai tout fait pour me distraire. J'ai même essayé de tricoter. J'ai recommencé 100 fois. Pas capable de tricoter. En prison, c'est drôle, on dirait que t'as plus de talent. On fumait, on lisait, on tricotait. C'était bien plate. C'est qu'au début, vois-tu ce qui arrive en prison? Ils te donnent l'oreille. Tu vas voir que c'est pas mal subtil. Ils te privent de tout. T'as pas de cigarette, pas de rasoir, pas d'aspirine si t'as mal à la tête, même pas de sel dans la nourriture. Alors tu finis par réclamer. Et à un moment donné, ils commencent à te donner, une par une, toutes ces petites choses qui te paraissent essentielles à la vie. Alors là, tu considères ton gardien comme un bienfaiteur? Ben, tu vois, commencer en prison, tout devient différent. L'un des privilèges qu'ils te donnent, c'est de laver les planchers. T'en es même rendu à vouloir laver les planchers. Thank you.
peut pas dire qu'on était maltraités, là, battus, non. Ben, pas moi, en tout cas. Mais, c'était l'angoisse de savoir nos enfants, puis nos parents, sans nouvelles de nous autres. Personne ne savait où on était, hein, ni pour combien de temps. Il y en a même qui avaient des bébés, puis pas de gardienne. Bon, je voyais mes petites filles avec les larmes aux yeux, je pensais qu'elles pleuraient tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça très, très cruel. Mais il y en avait qui étaient pires que moi. Oh, voyons donc, pleure pour ma puce. Voyons donc. Hein? Ben non. Ben non. Ça va passer, tu vas voir. Chut, chut, chut. Ça va pas durer bien, bien longtemps, cette histoire-là. Hein? C'est une grosse erreur, tu le sais. Ils vont s'en apercevoir. Pleure pas. Hein? Demain, tu vas être libre. Tu comprends, c'était difficile de consoler une fille qui pleure quand toi-même t'as envie de pleurer, hein? À ce moment-là, tu sais jamais quoi dire. Tu me laissais sortir. Ma voix seule, j'en parlerai. Qu'est-ce que tu veux? Avec ça qui m'arrive, ça n'a pas dû m'aider, hein? Et que le fait de me voir en prison, ça se rachever. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a payé ça une bonne journée. Ouais. Quoi? Voilà, ils l'ont pas manqué. Ils sont venus le chercher en pleine nuit pour l'interroger pendant 3 heures. Puis à la fin, ils ont dit qu'il serait exécuté dans 3 jours. Ben, il l'a cru. Pense pas. Imagine-toi les 3 jours qui a passé, ce gars-là. OK, vous le tour. Allumez-le,
Come on. Get up, you bastard. All right, Deadwood. Oh, Floyd. Okay. Il y a quelqu'un avec quelque chose dedans. Tu prends le fond, on peut prendre le devant. Yeah, on prend pas les deux feet. Come on, that's it. Spread your feet. That. N'oublie pas de checker le ventilateur dans le coin. Oui. C'est pas la première fois qu'une chose pareille arrivait. Chaque nuit, il inventait une nouvelle façon de nous harceler, de nous humilier. Regarde en dessous. Nous, c'était la rage de sentir notre impuissance. Je pense que la cicatrice est absolument ineffaçable. Puis moi, ben, ce qui me tracassait le plus, c'est que ma femme était enceinte. Qu'elle devait accoucher d'une minute à l'autre. J'avais aucune nouvelle. Il avait réussi à créer une psychose chez les prisonniers. À ce moment-là, t'es tellement humilié. T'es plus toi-même. Tu réagis plus. Puis de toute façon... Ce que je vais te raconter là... Tu me croiras peut-être pas, mais c'est vrai. Moi, ils m'ont condamné à mort. Pas un tribunal, les gardes. Ils m'ont dit que je serais fusillé dans 3 jours. Puis je les ai crus. Tu peux pas faire autrement que d'y croire dans ces circonstances-là, tu sais. Je pense. J'ai passé ces 3 jours-là dans la panique la plus complète. J'étais dans un état atroce, parce que j'allais mourir, puis je savais pas pourquoi. C'était absurde, mais je pouvais rien y faire. J'étais absolument prostré pendant 3 jours, 3 nuits dans mon coin, sur ma banquette, puis je tremblais. C'était effrayant. J'avais peur parce que je suis pas particulièrement courageux. Puis je pense qu'il y a peut-être personne qui soit courageux, tu sais, dans ces moments-là. Ils sont venus me chercher dans la 3e nuit. Ouais, mets ça. Ouais, grouille.
C'était juste pour me faire peur, les hosties. Ils avaient des balles blanches. J'ai eu un choc effrayant, puis je suis tombé. Puis je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans ma cellule. Puis, quand tu te réveilles d'une expérience comme celle-là, vous êtes jamais allé au lac Saint-Jean? Oh, Seigneur. Je sais pas combien de fois que je le répète, je m'étais là pour. Robert Val, ça vous dit rien? Non, absolument rien. Mon mari connaît ça, moi je connais pas ça. Puis vous connaissez pas ce monde-là? Bon, c'est correct. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'accusation contre vous. C'est une erreur si vous avez été arrêté. Vous êtes libre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je suis libre. Ça fait rien. Ça commence par... Voyons donc. Ben, on va partir une par une, ça va être parfait. Marie, s'en va. Moi, je savais pas que son père était mort. Je l'ai su seulement quand je suis rentrée à la maison après 6 jours de prison. Ça a peut-être pas l'air long, hein? Mais c'est long, 6 jours en prison à se faire du tourment. Simple bon sens devrait permettre à Clermont-Boudreau de sortir de prison puisque son père est mort. C'est un minimum de décence, ça, non? Mais écoutez-vous, là! C'est un minimum humain? Ça, c'est pas à moi de décider ça. C'est au ministère de la Justice que ça regarde. Nous autres, on reçoit des ordres et puis on les exécute. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un homme. Je sais pas si vous avez déjà perdu votre père, vous. À part ça, qu'il n'y en a pas un qui a été accusé de quoi que ce soit parmi nous autres.
Pourquoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Les droits fondamentaux, ça continue à exister. Bon, Yann? Docteur Beauchemin, vous savez très... Oui, laissez faire le docteur, occupez-vous donc clairement. On reçoit des ordres, vous le savez très bien, pour les exécuter. Des ordres? Des ordres de qui? Du ciel? Je vais voir ça. Trois quarts d'heure, je suis au téléphone là, moi. Oui? Oui? Non. Oui, mademoiselle, j'attends. Chut, chut. C'est une ministre, je vais l'avoir, là. Allô? Ah. Oui? Regardez, là, c'est madame... Clermont Boudreau qui parle, la femme de Clermont Boudreau qui est en prison. Oui. Regardez, le père de mon mari vient de mourir, là. Je me demandais si ça serait pas possible, étant donné les circonstances, puis comme ça fait déjà 10 jours qu'il est en prison, puis que vous avez pas de plainte contre lui, est-ce que ça serait possible que vous le laissiez sortir? Je pensais que pour des raisons humanitaires, comme on dit, puis à cause des circonstances. Oh, oui, mais là, c'est pas ordinaire. Je sais qu'il y a une loi spéciale, mais les personnes, eux autres... Oui. Oui. Oui, bien justement... Je pense qu'il faudrait prier le Saint-Esprit pour qu'il vous éclaire. Je comprends pas ça, moi. Je trouve ça bien curieux que vous puissiez pas prendre de décision par vous-même dans un cas comme celui-là. Oui. Oui. Oui, je vais attendre votre téléphone. Merci, monsieur le ministre. C'est quand même pas gros dans sa conscience. Enlève Richard Lavoie sur le tableau. T'es libéré. What?
Oui, c'est moi. Je viens juste d'arriver. Juste comme je rentrais dans l'appartement, le téléphone sonnait. Moi, je suis restée 6 jours. C'est bien assez, hein? Non. Non, moi, ils m'ont pas torturée. Hey, ma fille, tu devrais voir la place ici. C'est épouvantable. J'ai l'impression qu'ils sont revenus pendant que j'étais en prison. Il semble que quand je suis partie, c'était pas aussi pire que ça. Là, tout est à terre, ma fille. Les plantes, le tourne-disque, les livres, c'est épouvantable. J'en reviens pas. Ils ont jusqu'à laisser la porte d'en avant débarrée. J'ai plus de suite. Ben, je te dis, ma petite fille, qu'on a de l'ouvrage, hein? Oh, c'est pas grave. Hey, Claudette! Il faut que je dise ça. Fais attention quand tu téléphones, hein? Il paraît qu'ils tapent pour les... Quoi? Ben oui, ils enregistrent tout ce que vous dites au téléphone. Ben, qu'ils tapent s'ils veulent. Tapez donc tout ce que vous voudrez, ça me fait pas un pli sa différence. Tout ce que je dis puis tout ce que je fais, je le fais au grand jour. J'ai rien à cacher, moi. Hey, Françoise, es-tu là? Oui, je suis là. Donne-le ça, là, Claudette. Bonjour, la police! Tu vas avoir l'air niaiseux que la petite machine enregistre les autres. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. C'est la première fois de ma vie, je pense, que j'avais eu une vraie peur. Tu sais, des fois, t'as peur, mais... C'est pas une vraie, vraie peur. Mais celle-là, là, ça en a été une maudite. Pendant 6 heures, là, tout le temps, il faisait noir. Là. Alors, je l'ai senti. Ce qu'il y a de pire, j'entendais tout. Quand ils sont venus chercher Maurice dans sa cellule, puis quand ils l'ont ramené, après ça, le moindre souffle, le moindre son, là, un gémissement, quelque part. Oh, je pars dans rien. Hein. C'est ça, la peur. Maurice. Clairement, il faut... Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Clairement, il faut que je sorte d'ici. Demain, ils vont me descendre. Fais venir l'infirmier. Ah oui, mais... Tu sais qu'à moi, tout est fermé après 11 heures. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'ont cogné dessus, je suppose? Tu fais revenir dans mon lit. Boudreau, contrôle. Tu sais, j'avais peur un peu pour Maurice. Mais dans mon être à moi, là, c'était pour moi que j'avais peur. Je savais pas quand, ça sera mon tour. Comment ça va? Pas pire. Boudreau! Clairement, j'ai peur. Ils ont dit qu'ils étaient pour m'exécuter. Ben voyons donc. S'ils avaient eu à faire ça, ils l'auraient fait, ça fait longtemps. On reste tranquille, repose-toi là, puis y'a pas peur. C'est les ordres qu'on a eus. Ça, c'est le vôtre.
Ce qui est arrivé, vois-tu, c'est qu'ils n'ont pas voulu céder devant nous autres. Ça fait qu'ils ont attendu que tout le monde dorme. Puis là, ils sont venus chercher à 3 heures du matin pour amener voir son père. Puis laisse-moi te dire que Saint-Joseph, c'est pas à la porte. Puis là, ben, ils l'ont écœuré pas mal. Défendu de fumer, menottes au poignet. Ils étaient quatre dans l'auto. Ils ont même pas enlevé les menottes. Écoute, il a emmené voir son père qui est à mort. Et maudit. Pas rester trop longtemps. L'espoir vient de naître, à nous de le conserver, repousser les faux maîtres, voilà la liberté. Et entendre ce bonhomme-là qui, pour se donner du courage, chantait une chanson que son père y chantait quand il était petit, là. Ça a fait le silence dans l'aile. Je sais pas si tu le sais, mais ça, je l'ai à soirée.
On s'est dit que si ce bonhomme-là pouvait en endurer autant, puis continuer à chanter, ben, nos petites misères à nous autres. Parce que là, c'était devenu de plus en plus dur de durer. Crois-le, crois-le pas, c'est ce soir-là qu'ils ont choisi pour lui faire subir son interrogatoire. Puis tu sais ce que c'est, là, t'as toujours tard d'avoir raison. Tu veux pas parler? J'ai rien à dire. Si tu parles pas, t'aggraves ton cas. Tes chums m'ont tout parlé. Ça donne rien d'essayer de nous cacher les affaires. T'en seras pas en bas de 20 ans. Ça, si tu passes pas au peloton d'exécution avant. À Roberval, vous avez pas rencontré un ami Brochu? C'est tout ça qu'on a une organisation qui s'occupe des individus comme vous autres? Parce que vous avez la liberté de parole, les autres n'ont pas le droit de parler. Hein? Bon, c'est correct. Vous pouvez vous en retourner. Ah oui, retourne dans ton circuit. Pour moi, ils ont trouvé que j'étais trop crampé sur le silence. Ils m'ont mis dehors. Pour un gars qui est libéré, t'es pas pressé de sortir. Salut, Maurice. Salut Gaëtan. Salut Maurice. Déjà ma vie. Salut les gars. Pas une grosse pour moi. Hein? Prêt. Salut mon chat. Salut Snacker. Ça va pas là. Moi, je suis resté dans ma cellule encore 6 autres journées. Puis l'attente, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'était surtout de pas savoir, tu sais. Quand il n'y a pas d'accusation, on peut pas se défendre. On a l'impression qu'il n'y aura plus jamais la même liberté. Quand je suis sorti de prison au bout de 21 jours, j'ai fait une couple de semaines d'hôpital psychiatrique. On m'avait volé une partie de ce que j'étais. Maintenant, j'ai l'impression d'être plus vieux que les gens de mon âge. J'ai moins de faux enthousiasmes. Ce que je t'ai conté là, c'est pas du roman, c'est vrai en sacrement. Vous êtes bien capable de venir me prendre. Laissez donc faire. Je pense que vous allez retourner par vos propres moyens. Docteur Jean-Marie Beauchemin. Oui. Au revoir. Pierre Blouin. Ben laissez faire des au revoir. Des au revoir d'une vie de même que je viens de mener là.
que j'ai manqué mourir. Jamais vous ne me reverrez à face 7. Commence à être fatigué qu'on vienne me chercher comme un chien, puis 16 jours enfermé dans le grand comme un char. Ben, 16 jours en cellule sans rien nous dire, puis après ça, on vient nous annoncer que c'est une erreur. Mais des erreurs comme celle-là, là. Vous m'avez pris comme un ange, mais la prochaine fois, prenez-moi chance. Ça sert à rien de leur dire ça, eux autres. Les autres viennent d'ailleurs. Ah, ben, en tout cas, la prochaine fois, il va y avoir un procès pour avoir lieu dans la rue. Quand on a été arrêté, là, ça a été marqué dans grosses lettres dans tous les journaux. Quand on a été libéré, là, sans accusation, là, c'était le temps d'écrire quelque chose. Ils n'ont pas écrit de maudite ligne. On marchait dans la rue, là, comme si rien s'était passé. Maintenant que vous avez passé à travers toute affaire-là, M. Boudreau, qu'est-ce que vous allez faire? On va se remettre au travail. Il n'y a rien que ça à faire. On est adressé comme ça. En autant que ça aura servi à quelque chose. Comme dit Marie, après l'hiver, il y a toujours un débord. Là, finalement, c'est un petit malheur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça signifie qu'il y a quelque chose de pourri en quelque part. Il faudrait surtout pas que ça se répande.